Wea qui a parfaitement manœuvré pour passer la Gonédis. Wea toujours, un joueur à droite, il préfère y aller tout seul. Il frappe d'extérieur du pied. Ça passe tout près de la cage de Gabriel. J'avais déjà remarqué tout le match que j'ai vu. Le remplacement défensif, il est très lent, très long. Mais quelle action spectaculaire, individuelle certes, mais quand on s'appelle Georges Wea, on peut se permettre avec petit pont sur Avos et seule la frappe n'est pas au niveau de toute l'action individuelle. Quel dommage. Le ballon qui est parisien maintenant avec Ginola. Guérin, frappe de Guérin, avec un rebond. Elle a effleuré la main droite de Gabrich. But de Georges Wea qui après 12 minutes en première période ouvre le score au Parc des Princes face au PAOK Salonique. Et oui, Joël Batz venait de vous le dire, Gabrich sur les balles hautes ne se sent pas très fort, alors il n'est pas sorti. Et si on ne sort pas quand on joue face au PSG, on s'expose à de gros risques car il y a des joueurs de tête. Et il y a de bons joueurs de tête et c'est une équipe très puissante. Alors regardez, corner de Le Guen. Ricardo est là, c'est derrière lui que ça se passe, c'est du côté de Wea et pleine lucarne. En plus, il n'est pas malheureux parce qu'il apprend avec le sommet du crâne. Mais il y a beaucoup de blancs qui sont capables de sauter. Regardez, il n'y a que Alexeyou qui saute. C'est le seul noir qui saute et qui peut être à la hauteur de. Le seul maillot noir qui peut être à la hauteur de Georges Wea. Paris Saint-Germain là qui a le ballon. Toujours avec Jean-Luc Sassus qui a été décalé. Tête de Calderaro, la reprise de Guérin. Oh, il était resté immobile, Gabrich. C'est Lagonidis qui s'est chargé de la surveillance de Georges Wea. Sur le corner de Le Guen, Wea qui met encore sa tête et qui met le deuxième but. 2-0 pour le PSG. Bien joué, Georges. Et regardez-le, Georges Wea et Arthur Georges qui a bondi de son banc aussi. Le jeu aérien et la puissance athlétique des Parisiens, déjà en championnat de France, elle est impressionnante, mais face à une équipe qui ne saute pas. Regardez, il y a du monde et Wea est seul et une fois de plus, seul Alexiou va sauter et le pauvre, il ne peut pas sauter sur tout le monde. Alors il va choisir d'aller sauter sur Ricardo, là à gauche, voilà. Mais comme Ricardo n'a pas le ballon, Wea est seul derrière. Maillot noir orthodoxe. Éponge bleue, antidote. Au dépit. À la souffrance. Le Guen. Wea qui a laissé pour Calderaro. Calderaro à nouveau pour Le Guen, frappe pied gauche. Et il est gaucher, Paul Le Guen. Et c'est pour ça que ce tir est passé très près du montant gauche de Gabrich. Lama, pour la première fois, peut-être solliciter un ballon avec rebond. C'était un tir de Lagonidis. Guérin avec Ginola. Le Guen qui va provoquer à l'exservir Calderaro. C'est le petit filet. C'est le petit filet, mais c'est le grand geste. Quelle belle volée du pied extérieur. Ce sera sans doute le dernier geste de cette première mi-temps, mais qu'il était de qualité. Regardez Le Guen qui va chercher au-dessus du dernier défenseur. Et là, Calderaro presque à l'extérieur, même complètement à l'extérieur de notre caméra. Donc 2-0 à la mi-temps pour PSG.